Bom, gente, então eu vou apresentar um outro nosso convidado, que é o Sebastian Denis. Ele vai falar sobre as imagens e o desapagamento da história colonial francesa em torno da exposição Algérie 1890-1962. Ah, não? Ah, c'est une erreur. Oui, oui. Ah, sim. Está lá. Bom, é melhor ler lá, então. A gente está lá, está correto. Saiu errado aqui no folder. Bem, então, apresentando, Denis possui doutorado em estudos cinematográficos pela Universidade de Paris 1, Panthéon Sorbonne. É diretor da UFR Art de la Université de Picardie, Jules Verne, em Amiens, França. Entre as suas principais publicações estão Le Chat d'Ox, Histoire, Esthétique et Pataphysique, Le Cinéma et la Guerre d'Algérie, La Propagande de l'écran, 1945-1962, Paris, Nouveau Monde, édition 2009, et Le Cinéma d'Animation, Paris, Armand Collin, 2007. Então, sim. Então, ele está dizendo que o cinema de animação está traduzido em português. Não sei qual é de terra. Não sei se está. Texto e gráfica. Tá? Então, cinema de animação está traduzido para português. Merci. Bien. Je vous remercie pour votre conférence. Et nous pouvons commencer. Um petit moment, vai circular, tá, gente, esses livros, tá? Mas por favor devolvam, tá? Não é presente, tá? Então a gente vai passar, só avisando, certo? E depois ele possivelmente vai comentar, tá? Então por favor devolvam. C'est bon? Ok. Oui, donc les livres, il y a deux, ce sont deux tomes d'une bande dessinée dont je vais parler. La bande dessinée, c'est les deux qui sont après là. C'est deux tomes sur 10. C'est une série de 10 bandes dessinées qui sont un petit peu à la base du travail dont je vais parler aujourd'hui, même si évidemment ça va bien au-delà de ça. Le plus gros livre, c'est le catalogue de l'exposition des Invalides. Donc vous pouvez regarder, le catalogue n'est pas très très original, mais ça permet de voir plein de choses dont je ne vais pas pouvoir parler aujourd'hui. Ça marche ou pas la traduction? Ça ne marche pas? Non. Là, ça marche? Est-ce qu'il faut que je redise tout ou pas? Non. Là, c'est bon ou... C'est mon micro ou c'est celui de la traductrice? C'est bon, tout va bien? Non, plus de trocar le microphone. Ça va? Ça va. Tout de bon? Ok, bon. Est-ce qu'il faut que je répète le catalogue et tout ça? Ça va, vous avez compris? Bon. L'exposition dont je vais... J'espère qu'il y en a qui étaient là hier quand j'ai parlé des films, parce que j'ai en fait pris beaucoup de temps pour rappeler ce qu'est la guerre d'Algérie. Et là, j'ai pas le temps de revenir sur toute la guerre d'Algérie. Donc j'espère que vous avez bien pris tout en note hier, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là hier... Ouais.
Bon, il faut que je rappelle. Donc la guerre d'Algérie, c'est un moment très important qui est 1954-1962, qui est une guerre de libération nationale, hein, faite par le Front de Libération Nationale en Algérie. Mais ce n'est que l'aboutissement de 132 ans, hein, 1962, la libération, donc l'indépendance de l'Algérie n'est que l'aboutissement de 132 ans de colonisation française. Hein, donc l'exposition dont je vais parler, donc Algérie 1830-1962, visait à repartir à partir de l'intégralité de l'histoire de la colonisation française en Algérie. Et le but, hein, de cette exposition, qui s'est tenue donc entre avril et juillet 2012, à l'occasion du cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie. Cette exposition a été l'occasion d'une réflexion sur le rôle des images dans la reconfiguration des relations entre la France et l'Algérie. Des relations qui sont évidemment extrêmement conflictuelles. Il s'agissait pour l'institution militaire et pour moi en tant que co-commissaire de cette exposition d'indiquer la possibilité d'une avancée historiographique par le biais apparemment mineur des images. Ces dernières permettant de libérer, entre guillemets, le traitement public de cette histoire extrêmement sombre et difficile de 132 ans pour lancer des ponts entre les anciens acteurs de cette histoire coloniale et leurs contemporains, et lancer des ponts également entre les deux côtés de la Méditerranée aujourd'hui. Pour la première fois, une institution nationale française prenait à bras le corps la colonisation de l'Algérie comme un tout, hein, avec une idée d'histoire globale, entre 1830 et 1962, en essayant de ne rien omettre, et en particulier de ne pas omettre, j'en parlerai longuement, les violences coloniales. Ce qui était nouveau n'était pas tant la présence de l'Algérie ou de l'histoire de l'Algérie coloniale dans l'espace public, puisque la guerre d'Algérie a généré en fait de très nombreux débats à la télévision, des débats à la radio, énormément de livres, beaucoup d'articles de presse et de nombreux livres, de nombreux films de fiction. Donc c'est pas du tout qu'il n'y avait pas une rareté, hein, de l'Algérie dans l'espace public, mais ce qui était rare, c'était la présence de l'Algérie dans une institution publique et a fortiori dans une institution militaire. C'est ça qui a marqué les esprits, alors que l'État français n'a toujours pas encore aujourd'hui en 2019 reconnu ses responsabilités quant à l'Algérie coloniale. Et évidemment, ce qui était compliqué, c'est que l'armée et le musée de l'armée pouvaient à juste titre sembler l'étendard de ce qu'on appelle en France la grande muette. L'armée, on l'appelle la grande muette, je ne sais pas comment on l'appelle ici au Brésil, votre armée, mais nous on l'appelle la grande muette, hein, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. L'armée évidemment, ne communique pas sur son histoire, et y compris et surtout sur les problèmes qu'elle a pu générer. Donc évidemment que le musée de l'armée pouvait à juste titre paraître comme un lieu pas du tout approprié pour parler de l'Algérie française, puisque évidemment on pouvait craindre un silence d'État appliqué à un sujet aussi important que celui de l'Algérie, et notamment des violences coloniales dans ce contexte. Donc la vertu première de cette exposition, là vous voyez les Invalides, pour ceux qui sont allés à Paris, hein, les Invalides c'est là où est enterré Napoléon, hein, c'est un lieu de mémoire important pour l'armée française, c'est le lieu, c'était un hôpital, hein, puis c'est devenu un lieu de mémoire de l'armée, donc c'est un lieu très, très important dans le panthéon français, étant donné que c'est le panthéon militaire. Il y a le panthéon civil qui est le panthéon, et il y a le panthéon militaire qui est les Invalides.
Donc la première vertu de cette exposition a été d'œuvrer pour ce que j'ai appelé pour ce colloque un déseffacement de l'histoire par le biais des images, hein, puisque l'État a œuvré pendant de très 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 nombreuses années, hein, pendant au moins 150 ans et au moins, enfin, en fait jusqu'à aujourd'hui, donc pendant 180 ans, l'État a œuvré à effacer l'histoire coloniale. Enfin, ce n'est pas valable que pour l'Algérie, mais là je parle de l'Algérie. Et le but était donc de participer à ce déseffacement, alors que l'effacement était voulu d'une part par l'institution militaire, d'autre part aussi par des mémoires individuelles. Claudio parlait tout à l'heure de la différence entre mémoire et histoire. Vous aussi, tout à l'heure, hein, c'est un thème qui est présent dans, dans ce panel. L'histoire de l'Algérie s'est faite par le biais des mémoires. Et comme Claudio le disait bien, évidemment, ce n'est pas avec les mémoires qu'on peut faire l'histoire. Hein, vous le disiez aussi, ce n'est pas la manière dont l'histoire peut fonctionner. Puisque les mémoires individuelles ou collectives participent au contraire à un éclatement de l'histoire. Donc d'un côté des mémoires individuelles ou collectives qui font éclater l'histoire en autant de mémoires, et de l'autre la propension de l'institution militaire et plus largement de l'État français à passer sous silence les aspects les plus problématiques de la période coloniale. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait même, dans un discours qu'on appelle le discours de Dakar, en 2007, juillet 2007, évoqué les aspects positifs, hein, je mets entre guillemets, les aspects positifs de la colonisation, en soulignant, je cite Nicolas Sarkozy, que l'homme africain n'est pas assez dans l'histoire, fin de citation, après la période coloniale. Alors, il est important de rappeler que le musée de l'armée est l'un des rares musées français de grande envergure, de grande ampleur, à ne pas dépendre du ministère de la Culture, mais du ministère de la Défense. Donc, il dépend directement du ministre de la Défense. Et pourtant, pour certains, et en particulier pour les anciens de la guerre d'Algérie, les anciens militaires, ça a été un choc et un scandale, cette exposition, parce que, effectivement, pour eux, le musée jouait contre la mémoire militaire, hein, et remettait en cause le rôle de l'armée pendant la guerre d'Algérie et tout au long de la colonisation française depuis 1830. Donc, pour certains, le musée de l'armée jouait contre son camp. À mon avis, au contraire, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette exposition, c'était tout à l'honneur du général, en particulier, qui dirigeait le musée de l'armée, d'envisager une histoire totale qui était une histoire qui était très, très négative pour l'armée française. Donc les raisons de ce retournement idéologique au sein de l'armée française a sans doute à voir avec l'émergence d'une jeune génération d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, n'ayant pas eu directement de contact avec l'Algérie coloniale et ne s'estimant pas liés à une forme de vision épique, de geste de la génération précédente. Étant donné que cette vision épique de ce qu'on appelle l'armée d'Afrique, c'est l'armée française en Afrique, hein, c'est pas les Africains au sens propre. Donc il y avait cette vision très positive de l'armée d'Afrique, et évidemment cette vision positive de l'armée d'Afrique a permis les pires extrémités durant toute la période coloniale, et y compris même, je parlais hier du Cameroun, après la fin supposée de l'empire colonial français, dans une forme de néocolonialisme français, et que d'autres pays font aussi, hein, mais la France est très très au premier rang. Donc cette armée d'Afrique, d'une certaine manière, elle n'est plus soutenue par les militaires d'actifs, ce qu'on appelle les militaires d'actifs, ceux qui sont actuellement en train d'être militaire,
Et par ailleurs, c'est vrai que le ministre de la Défense a été contacté à propos de ce projet, qui est un projet extrêmement polémique au sein de l'armée, et qu'il a validé ce projet-là. Donc évidemment, ça nécessitait, comme c'est l'armée, une validation à la fois militaire et civile, puisque, comme vous le savez, quand on n'est pas en tout cas en dictature, le militaire dépend du politique en France. Donc il se trouve que les jeunes militaires, ou les, en tout cas les militaires, éventuellement même le général Baptiste qui dirige le musée de l'armée, ces militaires ont envie d'histoire. Ils ont envie effectivement non plus d'une mémoire apprêtée, une mémoire coloniale en particulier, mais d'une histoire. Donc là, on est face à effectivement un changement très important au sein de l'armée, avec des gens qui veulent connaître l'histoire. Alors, il n'est pas impossible aussi que les guerres subversives vécues récemment par l'armée française, en particulier en Afghanistan, en Irak, et dont les Américains eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des très grandes proximités avec la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, il n'est pas impossible que cette proximité ait donné envie aux militaires d'active de mieux connaître l'histoire de l'Algérie et de la guerre d'Algérie en particulier. Donc tous ces éléments internes finalement au ministère de la Défense et à l'armée française menaient à une reconnaissance des faits historiques qui n'avaient jamais été faites au niveau national. Donc ça paraît peut-être bizarre, mais c'est en fait, pour ceux qui connaissent la France, très normal. Ça fait partie de l'effacement de cette histoire coloniale. Et le but était donc de déseffacer cette histoire coloniale. Ce qui n'était absolument pas une évidence. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en parle là. C'est une histoire évidemment qui ne vous est pas familière. Vous n'avez pas vu cette expo. Mais... ça, c'est une exposition qui effectivement a été une première, on va dire, et qui donc a une importance historique maintenant, puisque elle a eu lieu. Des fois, il y a des choses qui n'ont jamais eu lieu, et au bout d'un moment, elles ont lieu. Et c'est vrai que là, il s'est passé quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant. Donc, l'enjeu du déseffacement dont je parle, c'était que, alors que dans les livres sur la guerre d'Algérie, la vérité historique est connue depuis très longtemps, depuis la guerre d'Algérie, et que toute l'histoire coloniale est en fait très très bien détaillée depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, en allant donc au-delà des mémoires, eh bien, l'image publique de l'Algérie était au contraire essentiellement portée par les mémoires. Donc, d'un côté, on a, on va dire, ce qui relève du monde académique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des historiens qui font bien leur travail. De l'autre côté, on a l'image publique de cette Algérie, où là, elle est portée par des mémoires, qui sont des mémoires, j'en ai un peu parlé hier pour le cinéma, des mémoires diffractées, avec les mémoires donc, des pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs, qui sont donc les colons, quel que soit le nom qu'on peut leur donner, ce sont des Européens ou des Français d'Algérie, c'est un dixième de la population d'Algérie. Il y avait 10 millions d'habitants en Algérie avant 1962, 1 million de pieds noirs, 9 millions de ce qu'on appelait à l'époque les Français musulmans, ou les musulmans. Donc les pieds noirs, les musulmans, entre guillemets, donc les Algériens, les anciens soldats qui ont vécu soit la guerre d'Algérie, soit les périodes précédentes de l'Algérie coloniale, les anciens soldats de l'armée de libération nationale algérienne, les membres du Front de libération nationale, donc les membres politiques, les Algériens victimes de la France, en Algérie, en France, les harkis, je ne sais pas si vous connaissez ce terme de harkis, ce sont des supplétifs de l'armée française, des Algériens qui travaillaient pour l'armée française. Le film en parlait hier, J'ai 8 ans, il parlait des harkis.
Donc autant de mémoires, toutes s'estimant lésées par, par l'histoire finalement. Toutes ces mémoires s'estimaient lésées. Et donc cette exposition donnait la possibilité, non pas de donner la parole à tous, puisqu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde, c'est strictement impossible, mais de donner une image de et à tous les acteurs français et algériens, et ça c'était nouveau, les Algériens, sur cette longue période, afin de faire savoir que la France, à travers son armée, prenait en compte, et à travers les historiens comme moi, prenait en compte ces différentes positions au sein d'une vision historienne de la période concernée. Donc évidemment, on comprend aisément la part capitale prise par les images dans cette nouvelle approche. Alors, là, vous voyez Jacques Ferrandez, vous voyez les BD qui tournent, là. Le projet, en fait, hein, de cette exposition est né, c'est pas moi qui l'ai généré, cette exposition, c'est le Musée de l'Armée, qui voulait travailler avec Jacques Ferrandez, donc cet auteur de romans graphiques très important en France. Et en l'occurrence, quand moi je suis arrivé sur le projet, j'ai dit oui, bien sûr, on va travailler avec Jacques Ferrandez, mais on va travailler aussi sur énormément d'autres sources, alors que l'armée voulait qu'il n'y ait que de la bande dessinée. Et donc qui donne une vision qui est celle de la bande dessinée, donc une vision qui est quand même assez limitée des événements. Donc là, vous voyez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, quelques planches. Vous voyez, donc on est sur un roman graphique narratif. Pas forcément très original, mais très bien fait. C'est vraiment, c'est un auteur de bande dessinée qui travaille énormément ces sujets, qui est né en Algérie, c'est un pied noir, c'est donc un fils de colon, on va dire, qui est parti très, très petit d'Algérie, mais qui porte en lui, effectivement, une partie de l'histoire de l'Algérie. Voilà, donc là je vous montre simplement quelques planches. Je vous montre aussi qu'effectivement les planches étaient bien montrées à l'intérieur de l'espace muséal. Alors, donc Attendez, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Je reviendrai un petit peu sur le dispositif plus tard. Je vais tout de suite vous parler du fait qu'on est évidemment avec non seulement la guerre d'Algérie, mais globalement ces 132 ans d'Algérie française, face à une histoire violente et à des images violentes. Des images qui ont été systématiquement occultées par l'État. Donc l'histoire de la présence française en Algérie et notamment l'implication de l'armée française, puisque c'était une exposition du musée de l'armée, est une histoire fondamentalement violente. L'exposition ne voulait rien cacher de cette violence, et ça c'est moi qui l'ai apporté. Là effectivement, ils ont fait appel à moi parce qu'ils savaient que ça ne pouvait pas être porté en interne par des militaires. La question de la violence ne pouvait pas être acceptée si elle ne venait pas d'un universitaire. Et donc le but, ça a été de montrer effectivement l'extrême violence de la conquête depuis le 19e siècle. Là, c'est une gravure de Tony Joanneau. J'ai pas la date précise, mais c'est aux alentours le milieu du 19e siècle. C'est une lithographie où on voit en fait ce qu'on appelle une enfumade, c'est-à-dire le massacre tout simplement de centaines de personnes dans des grottes. On mettait les gens dans des grottes, on mettait le feu et ils étaient tous enfumés, donc ils mouraient étouffés dans des grottes. Donc ça fait partie d'un des très nombreux massacres de l'histoire coloniale. Je la montre là pour dire que cette violence, elle existe sur une très longue durée. Et que donc il ne fallait pas se focaliser que sur la guerre d'Algérie, mais imaginer que la guerre d'Algérie, dans son extrême violence, n'est que la continuation d'actions extrêmement violentes de l'armée française sur place.
Alors, la violence la plus connue, d'une certaine manière, c'est celle qui a été vécue par les militaires français. C'est-à-dire que les mémoires, la mémoire la plus importante en France était, malheureusement, celle des militaires français ayant vécu cette guerre. Or, les militaires français ayant vécu cette guerre, qui sont morts, il y en a 20 000. D'accord, un tout petit peu plus de 20 000. Les Algériens qui sont morts, il y en a 500 000, à peu près. Les chiffres sont très difficiles à connaître. On voit bien qu'il y a une très très grande dissymétrie entre les morts et entre la violence, entre les violences. Donc le but, c'était d'évoquer effectivement cette violence, mais comme un phénomène fondamentalement inégalitaire, un phénomène inscrit dans l'histoire coloniale. Vous le savez très bien, toute histoire coloniale est basée sur la répression du colonisé par le colon, partout, dans toute situation coloniale. Donc l'hyperviolence du Front de Libération Nationale, que j'ai montré, je vais vous le montrer là, j'ai montré effectivement des images de l'hyperviolence du Front de Libération Nationale, mais c'est une hyperviolence qui répondait bien sûr à la violence première de l'armée. Vanise, je vais couper un petit peu. Donc le cercle de la violence qui est au centre de l'histoire coloniale, le cercle de la violence est au cœur de l'histoire coloniale de la France, et c'est d'autant plus étonnant de voir que les indépendantistes algériens, à partir de 1945, où il y a un très grand massacre d'Algériens, le 8 mai 1945, ont quand même essayé de rester du côté de la France parce qu'ils avaient une immense estime pour la République française, hein, tout simplement pour à la fois pour la République et évidemment pour tout ce qu'elle représente et surtout pour la Révolution française. Et donc il a fallu effectivement attendre 1954, c'est-à-dire quasiment 10 ans, pour que les Algériens décident de faire une guerre révolutionnaire contre la France, cette France dont ils estimaient les valeurs originelle, liée à la Révolution française. Vanise, je vais couper encore. Donc j'ai parlé de la violence du Front de Libération Nationale. J'ai aussi souhaité montrer, et c'est la première fois que ces images étaient montrées, qu'elles n'ont jamais été montrées, c'était la première fois qu'elles étaient montrées, j'ai choisi de montrer des images de torture. Torture de l'armée française. Ici, donc, les visages sont floutés. Alors, l'armée voulait flouter uniquement les visages des militaires français. J'ai demandé à ce que donc les visages des Algériens soient floutés également. Donc, on voit bien que le but était de mettre en avant cette hyperviolence. Ces images d'ailleurs de torture, extrêmement rares, hein, il y en a très 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 peu des images de torture de l'armée française, étaient juste à côté d'un livre extrêmement important qui s'appelle La question d'Henri Alleg, que sans doute vous ne connaissez pas, mais qui est un livre fondamental dans la réflexion des intellectuels sur la question de la torture. La question, ça veut dire la torture. Ce livre a été effectivement un moment très important dans la discussion que les intellectuels ont eue sur la guerre d'Algérie. Pour en finir sur cette histoire de l'hyperviolence, j'ai souhaité aussi montrer des images de fiction, à la fois avec les images que vous avez donc de la bande dessinée, du roman graphique de Jacques Ferrandez, et puis à travers une série qui s'appelle Les Chevaux du Soleil, d'après un écrivain pied-noir qui s'appelle Jules Roy, un écrivain important. Et là, j'ai mis deux moments, un au XIXe siècle et un autre à la toute fin de la guerre,
avec l'organisation armée secrète, qui sont des anciens, des militaires qui se rebellent contre De Gaulle, contre Charles de Gaulle, et qui génèrent eux-mêmes une hyperviolence très importante. Donc je vous parle de ça pour dire qu'effectivement on a un cycle de la violence dans toute l'histoire de l'Algérie coloniale qui est un cycle extrêmement destructeur, le but étant dans une première partie de l'exposition de montrer cette violence coloniale contre les Algériens et à la fin de la période coloniale de montrer effectivement que à la fois l'État à travers son armée, veut détruire l'armée de libération nationale, mais que les pieds noirs et les militaires, qu'on appelle des ultras, veulent détruire toute possibilité de discussion politique avec les Algériens. Hein, donc c'est vraiment un cycle presque sans fin. La fin a été rendue possible par l'indépendance, tout simplement, de l'Algérie en juillet 1962. Alors, il est important, donc il y avait aussi important de dire qu'il y avait au sein des espaces d'exposition, en plus de la fiction, en plus des nombreux tableaux, vous voyez aussi des uniformes, des films d'actualité, il y avait aussi des historiens, notamment ici Raphaël Branche, qui est une historienne très importante, qui est spécialiste de la torture en Algérie, et donc les historiens étaient aussi là pour porter un discours scientifique, hein, donc pour dépassionner d'une certaine manière cette histoire de la guerre d'Algérie qui est très très passionnée en France. Il fallait aussi le regard d'historien pour mettre à distance et pour en rester aux faits. Hein, c'est-à-dire, tant que faire se peut, effectivement, il fallait mettre en tout cas des représentations. Hein, je vais parler tout à l'heure là, des représentations. Il fallait dire qu'il y avait des représentations avec évidemment tout l'imaginaire qu'elles portent, mais il y avait aussi des faits très importants à rappeler dans cette histoire extrêmement violente. Le but n'était pas de culpabiliser qui que ce soit, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas je ne suis pas un justicier. Le but n'était pas de culpabiliser les acteurs de la période, mais simplement de rappeler les faits historiques dans un lieu qui est un lieu effectivement de mémoire militaire. Évidemment, l'Algérie n'a pas été le seul terrain dans lequel la violence coloniale s'est appliquée. En France, Madagascar, l'Indochine, énormément d'autres pays, le Cameroun dont on revient avec Androula, où il y a eu des centaines de milliers de morts, hein, c'est-à-dire que quand on parle de millions de morts en fait, hein, liés à la colonisation française. Mais cette violence avait un trait particulier, c'est que c'était des départements français. L'Algérie n'était pas des territoires d'outre-mer, c'était des départements français, et donc à la fois le gouvernement et l'armée refusaient de laisser partir l'Algérie comme ils avaient laissé partir l'Indochine. Il est important aussi de dire que la violence coloniale n'est ni de droite ni de gauche. Elle est extrêmement partagée, c'est-à-dire tout pouvoir colonial, gauche, extrême gauche, même dans les années 30, droite, extrême droite, tous les pouvoirs coloniaux qui se sont succédés ont fait appel à l'hyperviolence pour conserver le pouvoir français, la présence française dans les pays colonisés. C'est valable bien sûr pour bien d'autres pays, vous le savez très bien, pour le Portugal, pour tant d'autres, hein, l'Angleterre, l'Allemagne, bon, la Hollande. Ce qui est donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette violence n'est ni de droite ni de gauche, mais qu'elle est inhérente tout simplement au projet colonial, avec un cas particulier pour l'Indochine, pour l'Algérie, pardon, qui est que c'est une armée républicaine, mais une armée auquel l'État français, le gouvernement, donne
un pouvoir énorme, un pouvoir de police, un pouvoir de répression qu'elle n'avait évidemment pas sur le territoire métropolitain. Donc on parle bien là d'une... Je ne dis pas que l'armée est blanche comme neige, bien sûr. L'armée, elle fait son travail. L'armée, dans toute démocratie, elle répond au pouvoir politique. Donc, je ne dis pas que les militaires n'ont pas fait du sale boulot, c'est sûr, ils ont fait des horreurs. Mais ils les ont faites au nom de la République française, au nom des élus français, au nom des politiques. Et il faut toujours le rappeler, parce qu'effectivement, on est face là à des choix qui sont des choix civilisationnels. Et ce n'est pas du tout le rôle de l'armée que de décider de ces choix civilisationnels. C'est un choix politique. Donc l'armée, en l'occurrence, dans toute cette histoire horrible de l'Algérie coloniale, ne fait que répondre à une volonté politique primordiale qui est effectivement de faire régner la violence et une inégalité fondamentale entre le colon et le colonisé dans tout territoire colonial. Donc il ne s'agissait évidemment pas de légitimer, vous avez montré des images, là je vous ai montré des images qui sont difficiles, horribles, il ne s'agissait pas du tout de légitimer cette violence, mais de comprendre, de faire comprendre, surtout, ce n'est pas nous en tant qu'historiens, mais de faire comprendre aux spectateurs qui découvraient la plupart du temps ces images, que cette violence est au cœur du processus de déshumanisation qui est central dans l'histoire coloniale, et dont les répercussions sont potentiellement infinies si elles ne sont pas traitées, explicitées, comprises. L'horreur donc a été une arme de combat pour l'armée française en Algérie, mais une arme de combat qui s'est retournée contre elle, puisque les Algériens ont décidé d'appliquer cette même horreur contre les Français. D'où effectivement des images qui étaient présentes aussi dans cette image, parce qu'ils ont des images extrêmement inégalitaires. D'un côté, effectivement, on a une propagande d'État, une politique d'État. De l'autre, on a une armée qui se bat avec les moyens du bord et qui gagne, j'en parlais hier, donc je ne reviens pas dessus, qui gagne politiquement auprès des Nations Unies son indépendance, mais qui perd concrètement la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a été perdue par les Algériens sur le terrain. L'armée de libération nationale a été littéralement détruite par l'armée française, totalement détruite. Là, c'est des dizaines de milliers de morts parmi les rangs des combattants algériens. Mais l'Algérie a gagné au niveau diplomatique. Alors, donc, j'en viens au rôle des images, donc dans le déseffacement de l'histoire. Je terminerai avec ça. Je n'aurai pas le temps de parler de tout, Vanise. Cette exposition a pu voir le jour, c'est pour trois raisons. La première que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire une nouvelle génération d'officiers supérieurs et généraux au sein de l'armée française, prêts à entendre cette histoire de manière dépassionnée, c'est-à-dire à la comprendre. La seconde était que cette exposition a été faite en un an, ce qui est ridicule pour une exposition de cette ampleur-là. C'est une exposition très très importante, plusieurs centaines de mètres carrés, dans un musée national. Et que cette vitesse, d'une certaine manière, a permis de prendre de vitesse les sceptiques, en particulier les sceptiques au sein de l'armée et au sein du gouvernement. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette exposition a été empêchée à 5 reprises au niveau politique et à d'innombrables reprises, à des dizaines de reprises, par des anciens militaires qui ont demandé à ce qu'elle n'ait pas lieu. Avec des délais normaux qui étaient à peu près de 3 ans, une exposition dans un musée national, c'est 2-3 ans. Elle n'aurait jamais vu le jour. C'est tout à fait certain. La troisième raison, c'était justement une exposition centrée sur les images de l'Algérie coloniale et que la charge, puisqu'on était dans un musée, la charge a sans doute semblé moins forte aux militaires du fait qu'on parlait d'images. Et quand je parle d'images, vous voyez ici, par exemple, des images très populaires qui étaient faites pour les enfants, par exemple, ou des films
qui sont des films de propagande du service cinématographique du gouvernement de l'Algérie, du gouvernement général de l'Algérie, qui sont des films donc coloniaux, mais des films touristiques. Donc là, on voit bien qu'on est sur des images qui relèvent du grand public, hein, c'est-à-dire d'une forme de diffusion extrêmement importante, hein, de l'Algérie coloniale, du concept d'Algérie coloniale, en particulier Vanise, pour le centenaire de l'Algérie, c'était en 1930, il y a le centenaire de l'Algérie qui est un moment très important où on célèbre l'Algérie coloniale, 1930, hein, on est juste 25 ans avant le début de la guerre d'Algérie. Donc on a tout un tas d'images, hein, que je vous montre rapidement, des affiches, vous voyez, on a eu, donc je vous ai montré ces images qui étaient faites pour les enfants, des affiches, des films, énormément de films puisque je suis spécialiste des films, donc j'ai montré beaucoup de films, des films aussi qui étaient mis en parallèle avec les images de Jacques Ferrandez, avec les affiches, donc il y avait tout un tas d'images différentes, et puis il y avait bien sûr attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Pardon, je ne le retrouve pas, j'ai oublié une image. Il y avait bien sûr donc les images de Jacques Ferrandez, et puis il y avait les images dont j'ai parlé, il y a des films de propagande, hein, dont je n'ai pas le temps de parler là, mais qui étaient très importants pour justifier la présence coloniale en Algérie, et les films dont j'ai parlé hier, dont je n'ai pas le temps de reparler aujourd'hui, qui sont des films engagés, hein, J'ai 8 ans et la distribution du pain que vous avez pu voir hier, et puis des images qui étaient des images de télévision, par exemple, avec le général de Gaulle, etc. Mais il était important aussi donc d'avoir tout un tas de variétés d'images, d'avoir aussi de travailler, c'était une première avec des Algériens algériens. L'idée, c'était effectivement de travailler sur ce que moi j'appelle une histoire partagée, c'est-à-dire effectivement de demander à des Algériens aussi de leur propre point de vue. Il faut savoir que j'ai contacté 5 historiens algériens, il n'y en a qu'un qui a accepté de participer, c'est Fouad Soufi que vous voyez là, qui est donc professeur en Algérie. Mais ça me semblait très important que cette exposition soit effectivement le début d'une histoire partagée, c'est-à-dire effectivement une histoire où il n'y a pas que la vision des Français, mais il y a aussi la vision des Algériens, et la vision des Algériens est souvent très différente de celle des Français. Donc, après, c'est eux qui n'ont pas souhaité, pour des raisons politiques, là vous savez que l'Algérie est en pleine ébullition, mais en 2012, on était dans un pouvoir qui est un pouvoir quand même extrêmement autocratique, il est difficile de parler librement. Donc je dirais que pour, vous voyez là tout un tas d'images ce visuel, utiliser massivement les images permettait de dépassionner le débat et de faire passer sur des sujets qui sont extrêmement tendus habituellement, des informations très importantes par le biais de la lecture d'images. Donc j'ai énormément travaillé sur les cartels, c'est des cartels qui étaient très 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 pédagogiques, c'est-à-dire qui visaient aussi à permettre la lecture d'images. Vous savez bien, vous êtes spécialiste d'art visuel, moi aussi, à quel point, effectivement, même si on est là dans de l'histoire culturelle, eh bien, l'esthétique est ô combien importante dans la puissance des images, ou au contraire dans leur inefficacité. La France n'est pas habituée, contrairement à l'Angleterre, contrairement aux États-Unis, aux expositions d'histoire. Ça arrive, mais c'est finalement, il y en a assez peu. Et donc là, c'était le début de ce type d'exposition. Il y en a une juste après sur la guerre d'Indochine. Ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est une collègue qui s'en est occupée et qui n'a pas réussi, d'ailleurs, pour la guerre d'Indochine, à faire le travail que j'ai fait. Donc, c'est pas du tout un reproche pour elle, mais c'est compliqué de travailler sur ces sujets coloniaux. Et donc, il faut pouvoir entrer en discussion à la fois effectivement avec les peuples colonisés, donc les historiens aujourd'hui de ces anciennes colonies. Il faut donc libérer la parole sur l'histoire, c'est très important, à la fois pour ceux qui l'ont vécu, mais aussi pour ceux, et surtout pour ceux qui ne l'ont pas vécu, puisque la plupart des gens sont morts maintenant, la plupart des gens qui ont fait la guerre d'Algérie sont morts, d'Indochine encore plus. Donc il est important de libérer la parole, mais aussi de faire entrer ces grandes thématiques importantes dans le temps de l'histoire,
et non plus simplement des mémoires, comme je disais tout à l'heure. Je coupe toute la fin, je prends que le dernier paragraphe, Vanise. Donc la complexité du rapport politique et militaire de la France envers l'Algérie a généré de très nombreux drames personnels dans toutes les populations concernées depuis 1830 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie et au-delà, et c'était ça aussi le but, mon but, celui du musée de l'armée aussi. Les Algériens, tout d'abord, pour la première fois, étaient réellement pris en compte. J'ai beaucoup plus pris en compte les Algériens que les pieds noirs ou que les militaires français. Et le livre d'or, c'est là où on écrit ce que les gens pensent, écrivent dans le livre d'or. La plupart des gens, des militaires de carrière, étaient scandalisés qu'on parle aussi peu finalement des militaires et autant des Algériens qui étaient jugés comme étant des traîtres, des rebelles. C'est des termes qu'on trouvait encore aujourd'hui. Donc il y a une nécessité effectivement de passer par le biais de faire exploser d'une certaine manière les mémoires pour arriver dans le temps de l'histoire. Et cette exposition, et c'est là-dessus que je terminerai, reconnaissait effectivement, c'était pas mon but à moi, mais il se trouve que c'est comme ça, que cette exposition a reconnu la responsabilité de la France dans ces drames et que cette exposition visait à favoriser un dialogue entre Algériens et Français. Et dans une société française que vous connaissez sans doute mal, mais qui est extrêmement multiculturelle, et dans laquelle les Algériens ont une place immense. On parle de millions de personnes d'origine algérienne qui vivent en France. Donc c'est extrêmement important, et ça, les Algériens, ou les Français d'origine algérienne plutôt, et les Algériens, a fortiori, qui sont venus voir cette expo, ont effectivement se sont sentis appartenir à l'histoire française. Et c'était ça, effectivement, en grande partie, le but de cette exposition. Je vous remercie. Bien, então, je vous remercie beaucoup pour votre fala que foi muito instigante na. Eu estava falando francês, vou falar para vocês. Bem, gente, então, a gente vai abrir para as perguntas. Eu só também vou mantendo a tradição do que se faz aqui, bem rapidinho, né, porque a gente já está com o nosso tempo muito esgotado, mas eu gostaria de perguntar, né, porque eu li o seu texto e vi que teve alguns problemas com, né, com as autorizações, enfim, que não foi uma coisa muito tranquila, a impressão que eu tive, mas eu queria lhe perguntar sobre o público e se os governantes visitaram essa exposição, né, os chefes de Estado, não sei, e o público, como é que reagiu o público francês vendo essa exposição sendo contada, né, dessa forma. E também eu fiquei surpresa que no seu texto você fala que na França não se costuma fazer exposições de história, né? E eu imaginei que sim, porque há tantos quadros pintados sobre história, né? Então eu queria que você pudesse responder essas duas questões. Obrigada. Alors oui, les politiques sont venus, mais secrètement. C'est-à-dire qu'ils ont pris rendez-vous avec le directeur du musée sans la presse. Voilà. Donc, ce qui est suffisamment significatif, effectivement, d'un problème. Donc, le président de la République est venu le soir après la fermeture du musée. Comment ça s'appelle ? Je vais fermer ça. Le ministre de la Défense est venu sans la presse, c'est-à-dire qu'ils ont accepté d'une certaine manière que ça se passe, mais ils n'ont pas souhaité en faire un événement public. Voilà. Après, il y a eu effectivement beaucoup de militaires qui sont venus, d'actifs et retraités, énormément d'Algériens, effectivement, beaucoup moins que ce que j'aurais souhaité, mais il y en avait beaucoup. Et donc, pour eux, c'était important, ils le disaient bien, puis j'étais là très souvent, donc j'entendais les réactions des Algériens qui, effectivement, ont vu pour la première fois traiter l'histoire de leurs concitoyens ou de leurs ancêtres dans un lieu public d'État. Il y avait eu d'autres expositions sur l'Algérie, mais qui étaient dans des lieux privés.
Là, effectivement, c'est la première fois qu'ils pouvaient voir ça. Donc oui, l'exposition a été vue, elle a généré pas mal de presse. Ça, la presse, par contre, est venue. Les journalistes ont tout de suite indiqué, effectivement, que c'était une exposition qui était une première fois. Et aujourd'hui encore, le Monde vient d'en parler, parce que là, ce n'est pas du tout pour me tresser des lauriers, mais c'est une exposition qui, effectivement, a permis de faire autre chose. Par contre, là, je n'avais pas le temps d'en parler, mais on a toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur cette... Parce qu'il y avait d'autres historiens qui ont travaillé avec moi. On voulait faire un musée. Il y a un musée qui était prévu à Montpellier, un musée des relations entre la France et l'Algérie. Et c'était financé, tout était financé, etc. Et les pieds noirs de Montpellier ont réussi à faire fermer le projet en 2014. 2015. Donc, et c'est devenu un musée d'art contemporain. On ne peut que s'en réjouir, mais ça prouve effectivement à quel point c'est pas si simple que ça. C'est extrêmement contextuel. C'est une histoire qui reste quand même très problématique. Et la deuxième question, pardon, c'était sur quoi ? Era sobre. Agora me deu branco. Sobre as questões. Ah, sobre a. Agora eu me esqueci da minha questão. Era sobre... Isso. Les images d'histoire, oui. Oui, ça c'est un truc très français. On crée beaucoup d'images d'histoire, mais on a du mal aujourd'hui à les utiliser. Donc il y a énormément d'images, par contre, qui ont été utilisées, les images du centenaire de l'Algérie, les images qui ont été faites durant tout le 19e siècle, ont été montrées. Il y en a qui sont à Versailles, dans la galerie des batailles. Cette histoire, finalement, fait partie de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire bataille de la France. C'est une histoire qui est représentée. Mais aujourd'hui, effectivement, les institutions ont du mal à s'en emparer et à les mettre à distance par le biais de l'histoire. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est très français. Par contre, là je dois aller très bientôt au musée de l'armée, ils ont réussi, suite à cette exposition, à faire de nouvelles salles, qui sont des salles qui n'existaient pas du tout avant, sur l'Indochine et l'Algérie coloniale et les guerres d'indépendance. Donc il y a quand même cette exposition a eu finalement une descendance. Merci. Bem, então a gente... Perguntas? A Mônica te deu prioridade, então. Bom, acho que não, queria agradecer a apresentação realmente riquíssima do... Agradeço a apresentação rica do Sebastián. Realmente, como exposição... de imagens realmente muito rica, muito, enfim, me repeti. Mas o que eu fiquei interessado em entender um pouco era, primeiro, duas questões. Uma, por que só teve mesmo um historiador e o que houve com os outros quatro argelinos, né, dos historiadores argelinos, e também... A questão que ficou mais assim, que eu fiquei mais interessado, uma questão institucional, porque é uma instituição que se abre para uma história que estava escondida, né? Apagada. E eu queria saber como que você lidou com a questão institucional, porque, por um lado, também é um modo de apresentar a instituição como mais democrática, né? Porque ela se abre a uma história escondida e ela também se mostra um tanto mais democrática. E isso tem uma ambiguidade aí. Eu queria saber como que você lidou com esse problema. Merci, Claudio. Donc sur le premier point, effectivement, j'ai fait des demandes à différents historiens algériens. Il faut savoir que l'histoire en Algérie, je ne voudrais pas paraître vraiment colonial en disant ça, mais l'histoire, elle est gérée par le FLN, elle est gérée par
le Front de Libération Nationale qui reste, qui était le seul parti autorisé. Et l'histoire de l'Algérie par le FLN est une histoire qui est faussée. Elle est fausse. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les historiens français le disent. C'est pas que moi. C'est pas idéologique. Ce que je dis là, c'est factuel. C'est une histoire idéologique. Parce que l'État, et ça se comprend, c'est même pas une critique. Les films, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais ils sont faits de la même façon. L'histoire de l'Algérie coloniale s'est faite à travers une distorsion de l'histoire qui mettait en valeur le politique. Voilà. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, pour en venir à ta question, c'est que les historiens algériens qui acceptent de dire la réalité et non pas la fiction du FLN sont en danger. D'accord ? Donc Fouad Souffé, par exemple, il prend un risque. Moi, j'ai dû aller à Alger faire un entretien avec un iPhone. D'accord ? Les images qu'on voit de lui n'ont pas été prises par l'armée française, mais par moi, là-bas. Et il avait peur. Il se trouve que, finalement, bon, le FLN a envoyé des espions voir l'exposition du musée de l'armée, et qu'ils ont été contents. Voilà. Donc Fouad Souffi n'a pas eu de problème. Voilà. Mais tous ceux qui ont refusé, je les comprends d'avoir refusé, parce qu'ils se mettaient en danger. Effectivement, la parole historique n'avait pas voix au chapitre en 2012. C'est en train de changer, je l'espère. Voilà. Sur le deuxième point, c'est très intéressant que tu dis ça. En fait, c'est très simple. Moi, j'ai dit au musée de l'armée, ils sont venus me demander. Donc, je leur ai dit, soit vous faites ce que je veux, soit je pars. D'accord ? Et j'avais un contrat qui, effectivement, que je pouvais rompre à tout moment si le contenu scientifique n'était pas conforme à ce que je crois. C'est tout. C'est comme ça que j'ai géré. Voilà. Donc, tout le contenu qui est là, il a été relu. Il y a des collègues et des amis à qui j'ai fait relire les textes, qui parfois étaient des textes écrits par des militaires et qui étaient complètement dangereux d'un point de vue diplomatique, par exemple, qui ont été réécrits pour être conformes à la réalité historique. Donc, Ça fait partie du travail historique, on va dire, sur ce type d'exposition avec des militaires. Mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Il se trouve que l'armée française, là, s'est montrée sous un jour qui est favorable d'un point de vue démocratique, mais le directeur, qui est général, pensait pouvoir être viré à toute minute. C'est très étonnant qu'il n'ait pas été viré. C'est parce qu'il a fait quelque chose qui, effectivement, et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux, c'était leur exposition. Moi, j'étais garant scientifique, mais c'est leur exposition. Et là, pour moi, je n'estime pas faire la pub de l'armée en disant ça. Je pense qu'effectivement, ils ont fait un truc qui n'avait jamais été fait avant. Et je parlais de l'Indochine, ils n'ont pas refait ça. Et je crains que, malheureusement, sur l'exposition d'après, où ils ont plus de temps pour préparer, ils ont eu des représailles beaucoup plus importantes des militaires et ils n'ont pas pu avoir le musée. Oui. Ils n'ont pas pu avoir la liberté, d'une certaine manière, scientifique que moi j'ai eue sur cette exposition-là. Donc, je pense que c'est plus compliqué. Je comprends, d'une certaine manière, que ça puisse paraître presque comme de la propagande. Je travaille sur de la propagande, mais ça peut être ça. Mais en fait, pas du tout. C'est une histoire. C'est en soi-même l'histoire de l'exposition. C'est pour ça que j'avais proposé ce sujet-là. C'est un sujet qui peut-être ne se reproduira jamais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. Il suffit que, par exemple, Marine Le Pen arrive au pouvoir. Je ne sais pas si vous connaissez Marine Le Pen, pour ceux qui connaissent un peu la France, donc quelqu'un d'extrême droite. Si l'extrême droite passe, la mémoire même de cette exposition disparaîtra. Donc là, et bon, vous êtes bien placé pour savoir qu'effectivement, le politique a la main mise sur la mémoire de l'État.
Et qu'effectivement, bah, pour vous, c'est Bolsonaro, pour plein d'autres pays, il y a Johnson, etc. Ce sont des gens qui réécrivent l'histoire. Donc, ce qui est valable dans un temps donné ne le sera plus, ne l'était pas avant, ne le sera sans doute plus dans 10 ans ou 20 ans. Eu sei, nós estamos com um tempo um pouquinho curto, mas são duas perguntas simples, mas certamente tu tens os dados. Eu gostaria de saber, Sebastián, como, se tu tens dados da repercussão do público, ao público, como o público respondeu? Essa é a primeira. E, por outro lado, tu falaste, por exemplo, das escolas de leituras de imagem. Né? Mas eu gostaria de saber se tu tens ideia como isso, além das imagens, como isso foi tratado para os jovens, para as crianças, porque é uma questão importante da história. Pour le public, les seules réactions qu'on ait concrètement, c'est le livre d'or, en fait, où les gens disent ce qu'ils pensent de l'exposition. C'est valable dans toute exposition. Après, ils ont fait un travail dans les salles, c'est-à-dire que souvent les autres commissaires, on était trois commissaires, c'est marqué dans le texte, mais j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je n'étais pas tout seul, on était trois, deux qui appartiennent au musée de l'armée et moi. On était très souvent dans les espaces, donc on a noté aussi des réactions. La télévision, il y a eu plusieurs sujets qui ont été faits à la télévision, à la radio, il y a eu des entretiens qui ont été faits avec le public. Donc il y a eu des retours comme ça, mais les expositions sont très peu documentées. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de travail sociologique de fait. C'est vrai que je ne l'ai pas demandé, mais peut-être on aurait dû, parce que ça aurait été très intéressant. C'est vrai qu'une fois qu'on finit une expo, bon, vous savez tous très bien que... on en a marre et que vraiment on veut passer à autre chose. Mais c'est vrai que là, sans doute qu'on aurait dû faire une étude sociologique des publics. Et ça, elle n'a pas été faite par le musée de l'armée. C'était son boulot d'une certaine manière. Enfin, ils ont un service des publics. Bon, ils ne le font pas. De la même manière, les choses sont en train d'évoluer au musée de l'armée comme dans n'importe quel musée. Et effectivement, c'était il y a 7 ans. Maintenant, ils sont en train de beaucoup plus de développer des choses pour les jeunes publics. Voilà. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc je pense qu'ils sont passés littéralement à côté des lycées, des collèges, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais l'histoire de l'Algérie est très peu enseignée. Un peu la guerre d'Algérie, mais l'histoire coloniale de l'Algérie, pas du tout, jamais, 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 jamais. Les 130 ans, les 125 ans, on va dire, hors guerre d'Algérie, ne sont pas enseignés une seule fois. Et globalement, l'histoire coloniale est très, très mal enseignée. Ce qui donne évidemment une lecture très orientée de la colonisation française. Donc il y a un très gros travail à faire dessus et il n'a pas été fait. Ça je le regrette aussi, mais c'est vrai que c'est le boulot du musée, c'était pas le mien, mais je crois qu'ils sont littéralement... En fait, ils étaient tellement étonnés que l'expo puisse ouvrir, puisqu'elle a failli être fermée jusqu'à la veille de l'ouverture. Hein, c'est monté jusqu'au président de la République qui a accepté qu'elle ouvre. Mais ils étaient tellement étonnés qu'elle ouvre que finalement, je crois qu'ils ont ils ont plus fait grand chose après. Ils étaient voilà, moi aussi. Mais uma questão mais lá. Obrigada, Sebastián. E a minha questão é sobre como a pintura histórica foi aproveitada ou não na exposição, que eu não vi pelas imagens. Eu vi pelo catálogo, mas eu não sei se na exposição você teria. Né? Inclusive, assim, me chama muito a atenção, no caso da pintura histórica, né, o fato da sala da conquista da Argélia em Versailles estar sempre fechada, até com medo de ataque terrorista, pelo menos há uns 10 anos atrás era assim. Né? Então, eu gostaria que você me falasse como você procedeu em relação à utilização da pintura histórica. Obrigada.
Oui, la peinture d'histoire est très importante, puisque le général Bugeaud, par exemple, qui est un des personnages principaux de la conquête de l'Algérie, a été peint de très nombreuses reprises, son image était très connue par des gravures, dans la presse. Donc la peinture d'histoire était très présente. Alors je vais essayer de retrouver là, mais je n'avais pas pensé à ça, donc je n'ai pas préparé des images là pour vous, mais il y a beaucoup de tableaux. Il y avait des dizaines et des dizaines de tableaux qui sont des tableaux d'histoire, hein, où il y avait effectivement de l'histoire bataille, donc les grandes batailles, on va dire, les grandes figures, Abdelkader, Bugeaud, Lyautey, peut-être vous ne connaissez pas, mais qui sont des grandes figures de l'histoire coloniale française. Et puis évidemment, dans la deuxième partie de l'exposition qui était plus centrée sur le XXe siècle, là bien sûr on avait beaucoup moins de tableaux, et on passait sur un régime qui était un régime médiatique, donc avec le cinéma, la presse, tout ce qui était art mécanique, voilà, reproduction mécanique, et puis la télévision. Donc là, c'est des sources qui sont très différentes. Mais dans toute la première partie, c'est-à-dire sur 200 mètres carrés, il y avait énormément de tableaux. Il devait y avoir, je pense, une cinquantaine de tableaux. Par contre, effectivement, on n'a pas pu montrer de très très grands tableaux parce que les salles d'exposition temporaires du musée de l'armée ne se prêtent pas au fait de bouger des immenses tableaux comme à Versailles. Il y a eu des tableaux de Versailles montrés, hein, mais pas les très très grands tableaux, parce que ça passe pas tout simplement dans les espaces d'exposition temporaires. Ils sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop larges, on peut même pas les rentrer dedans. Voilà. Mais oui, c'était. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer là toutes les images, mais je ne sais pas où elles sont. Mais oui, il y a eu beaucoup d'images, beaucoup de peintures d'histoire utilisées. Il y avait une autre partie à la question, je ne sais plus. Non ? Tom ? Oui, Sébastien, super, et merci. Depuis qu'on parle de cette exposition, je vois enfin un exposé complet, peut-être pas toute l'exposition. Je fais défiler les images que j'ai retrouvées. Tout à fait. Ce sont des images qui vous montrent un peu. C'est une scénographie assez classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui. Juste, ces images ont été prises par un photographe, et globalement, les images c'était beaucoup plus sombre que ça. L'espace d'exposition, là on a l'impression que tout est très lumineux, c'était beaucoup plus sombre, mais vous voyez, on a effectivement une dimension chronologique très importante, et puis des tableaux, vous voyez à gauche là on a un tableau sur les Aurès qui est un tableau magnifique, on a un de la Croix, voilà, on a effectivement des images, ça c'est Bugeaud, vous voyez à gauche aussi on a des musées, on a des tableaux, on a eu beaucoup de croquis, des croquis de grands peintres, hein, voilà, qui sont allés sur place, parce que ça a fait partie, comme vous le savez sans doute, l'Algérie faisait partie du Grand Tour, c'est-à-dire qu'on allait bien sûr en Italie, mais on allait aussi en Algérie pour travailler sur les couleurs, sur les montagnes, sur les Aurès, sur la mer, ça faisait partie du Grand Tour pour les peintres français. Voilà, donc, comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de tableaux, beaucoup de reproductions, d'originaux, pardon, etc. Non, c'était juste par rapport aux cartes. Oui, il y avait des cartes aussi. Tu veux voir les cartes ? Est-ce que oui. Tu peux nous en parler un peu plus ? Oui. Alors, ce qui était très important, c'est que j'ai pas eu le temps d'en parler là, c'était ce qui était central. C'est que les spectateurs qui ne connaissaient absolument pas l'Algérie puissent comprendre la chronologie, qui est très compliquée, de la colonisation de l'Algérie, et puissent comprendre les lieux dans lesquels, effectivement, les batailles importantes ont eu lieu, que ce soit au XIXe ou au XXe siècle. Et donc, il y avait des cartes. Alors, moi, j'aimais pas les cartes qu'ils ont faites, j'aimais pas l'esthétique de ces cartes-là, mais par contre, je l'avais tout à l'heure, il y a toute une liste de cartes, c'est là que tu l'as vu, je crois. Il y a eu des cartes qui étaient faites effectivement pour mieux faire comprendre, on va dire, la géographie de l'Algérie, qui est une géographie effectivement assez compliquée. Donc là, par exemple, à l'intérieur des cartes, je vous montre simplement effectivement quelques. Mais elles sont super lourdes, je crois. À mon avis, ça va faire planter et tout.
C'est extrêmement stylisé, comme vous voyez. Voilà, donc, là, c'est un travail de scénographie. Vous voyez que ça permettait effectivement de comprendre l'installation, par exemple, du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, avec les wilayas, c'est-à-dire les zones, aussi de comprendre tout simplement des choses assez évidentes. Mais, vous voyez, donc, oui, la cartographie était extrêmement importante pour que les gens comprennent effectivement où on était, de quoi on parlait. Et par rapport aux cartes, effectivement, la chronologie, vous l'avez vu à travers les grands panneaux dans la scénographie, ces grands panneaux étaient extrêmement importants pour comprendre effectivement l'évolution de l'Algérie française jusqu'à la fin. Voilà.